Bien, bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci à nos intervenants. Alors, je ne dis pas intervenantes et intervenants, on en parlait en off juste avant le début de la table ronde, ce n'est pas volontaire, mais cette table ronde étant le fruit d'une succession de lectures de Jérôme, il se trouve que derrière ces livres, les auteurs étaient des hommes, et donc ça nous a interpellés. Donc on voulait le dire en introduction. Pour faire le petit tour de table, présenter rapidement nos intervenants. Juste à ma gauche, Bertrand Charles, tu es un ancien journaliste d'investigation. Tu es également fondateur, directeur associé de Consor Intelligence, qui est une société d'investigation dans l'intelligence économique. Juste à ta gauche, Sylvain Brozard. Bonsoir Sylvain, dirigeant de Norcis. Et puis également président du conseil d'administration de Greenpeace France, et ce depuis 2011. Après avoir été également président du CJD. Juste à gauche de Sylvain, Pierre Gilbert, bonsoir, qui est conférencier indépendant et au conseil scientifique de l'Institut Rousseau, également entrepreneur avec une structure spécialisée dans les MOOC autour de la transition. Et puis enfin, Jérôme Bondu, donc Jérôme qui est à l'initiative de cette table, j'en parlais tout à l'heure avec ses lectures. Merci Jérôme de nous avoir réunis à cette occasion. Tu es le fondateur du cabinet Interliguéré, spécialiste reconnu dans l'intelligence économique. Et j'en profite pour dire un petit mot. Donc, en effet, cette soirée est une coopération entre le Club US, qui est le Club d'intelligence économique de Interliguéré, et la société Sunup. Et l'idée, c'est de réunir à intervalles réguliers des professionnels de l'intelligence économique, mais pas que, puisqu'un certain nombre de réunions s'est intéressé à des sujets transverses. Nous avons traité de géopolitique et ce soir, nous allons traiter plutôt de développement durable. Donc, un grand merci pour être venu ce soir. Et ravi que Michael, tu sois partie prenante dans cette organisation, avec notamment le fait d'avoir loué ce bel endroit à la BPI. Merci Jérôme. Donc pour ma part, Sindup, c'est effectivement une société de veille stratégique et je préside également une association qui s'appelle Le Grand Rebond, qui agit en tant que catalyseur pour la transition sociale et environnementale en réunissant des réseaux d'entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des tiers-lieux. Donc c'est avec grand plaisir que j'acceptais la proposition de Jérôme de contribuer à l'animation de cette table ronde. Alors, je vous propose le déroulé suivant. On a une petite heure de prise de parole, ensuite des interactions. Donc, n'hésitez pas à noter quelques remarques, témoignages ou questions en cours de route. On va faire quatre tours de table. Un premier qui va être assez rapide. L'objectif de ce tour succinct, c'est de vous entendre chacun nous dire finalement quelle est la problématique que vous adressez à travers vos ouvrages que l'on évoquera juste après, et finalement ce qui vous a amené à vous engager sur les questions, pour reprendre quand même le thème de la table ronde, hein, très exactement, qui est concilier performance d'entreprise et urgence climatique. On pourrait l'élargir à urgence écologique pour être encore plus global. Bertrand, est-ce que tu veux commencer? Est-ce qu'on a un micro? Alors, pour préciser dès le départ, Consor Intelligence est une société qui éclaire les décisions des entreprises en menant des investigations sur les impacts de leurs opérations. Le point de départ de ce revirement d'activité de Consor Intelligence, c'était de saisir nos indignations, de saisir en fait le rôle que jouent les entreprises les plus grosses dans les désordres écologiques et environnementaux et les impacts humains délétères, et de se dire qu'on était un outil en fait puissant au service de la décision des entreprises pour leur permettre de prendre conscience de leurs impacts et d'utiliser l'investigation comme un outil réellement de transformation de leurs activités. Merci. On va continuer le tour de table dans l'ordre finalement des assises. Alors, moi, la préoccupation écologique environnementale, tu l'as dit, elle est née quand je me suis occupé du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'était début des années 2000. Et la RSE arrivait en France des États-Unis.
Et je regarde ça, je dis tiens, on parle d'environnement. Et ça m'a percuté à ce moment-là. Et j'ai essayé de faire déjà à l'époque, de proposer aux milliers de dirigeants du club, enfin du centre, une méthodologie pour engager leur entreprise aussi bien sur le plan social qu'environnemental. C'était en 2002. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était vraiment urgent d'aller plus loin. Ça m'a amené à intégrer Greenpeace. Et donc, j'ai été très, très rapidement déniaisé. Parce qu'effectivement, Greenpeace, c'est une montagne d'expertise. C'est le décodage des rapports du GIEC de l'époque, etc. Et là, je me suis dit, il faut qu'on se remette complètement en question. Le chemin que j'ai fait avec mon entreprise, qui est une société de services numériques, donc rien à voir avec l'environnement, mais qui m'a amené à me remettre en cause en 2019, et j'en parlerai plus tard. Merci. Merci. Alors, de mon côté, moi, j'ai une double casquette, une casquette entrepreneur et une casquette d'expert. Ma casquette d'expert, c'est prospectiviste en matière de risques climatiques. Donc, j'ai commencé sur ce sujet-là il y a 5-6 ans pour le ministère des Armées. Et ensuite, en tant que consultant indépendant, conférencier, etc., pour des entreprises. Et puis, il y a 3 ans, j'ai sorti cet ouvrage, donc Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature, où en fait, je partais du constat que du côté de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, plus précisément la géo-ingénierie de la captation du carbone, donc des gens qui nous expliquent qu'on va réguler le climat grâce à des gros aspirateurs, hein, pour schématiser, y avait beaucoup de choses qui se passaient et potentiellement une grosse controverse à venir entre les technosolutionnistes et les partisans de solutions plus bio-inspirées pour réparer un peu les cycles naturels qu'on a détruits. Bon, bingo, en ce moment, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de choses, bon, j'en reparlerai, mais qui se passent du côté de la géo-ingénierie et il faut tenir la tranchée. Et donc, mon bouquin, c'était aussi un contre-récit à cette géo-ingénierie-là sur la base des puits naturels de carbone, comment on absorbe un maximum de CO2 grâce à la biodiversité. Écoute, Michael, ce premier tour portait sur les prises de conscience et ma prise de conscience remonte à 1985, date du label bio. À l'époque, j'avais 13 ans, je suis né en 72 et je me rappelle très bien avoir une sorte de prise de conscience en me disant « mais c'est super ce label, moi j'aime bien bouffer ça, c'est super ce label ». Et du haut de mes 13 ans, de mes quelques pommes en quelque sorte, hein, haut comme trois pommes, je me suis dit « mais si on fait un label pour ce qui me semble être le truc normal, ça veut dire que ça n'est pas la normalité. Et donc, la normalité est autre. Et donc, la normalité, c'est ce qui reçoit éventuellement des pesticides ou des choses comme ça, le conventionnel. Et j'ai une sorte de prise de conscience comme ça, qui est un truc qui me choquait un petit peu. Et par la suite, quand j'ai fait l'intelligence économique et que je me suis intéressé à la captation d'informations, à la grande révolution numérique que nous sommes en train de connaître, j'ai une autre prise de conscience qui n'est pas si éloignée. Et cette prise de conscience est liée au rôle de Google. Google qui est un outil magnifique de captation d'informations. Mais en même temps, on ne sait pas utiliser Google. Et en même temps, le fait que ça soit un monopole pose d'autres problèmes. Et cette double prise de conscience m'a amené à rejoindre ces deux problématiques, qui est la problématique développement durable et la problématique numérique. Et comme vous, hein, j'en ai fait un livre qui vise à croiser ces deux sujets et essayer d'explorer cette situation. Merci Jérôme. On va tout de suite recommencer un tour de table, mais cette fois-ci en prenant un petit peu plus le temps de parler de vos livres et en particulier des solutions que vous avez expérimentées, que vous avez développées, en commençant par le tien, Bertrand, Les chemins de la décivilisation. J'en profite pour saluer notre libraire qui a eu l'amabilité de se joindre à nous ce soir. Donc, vous avez des ouvrages disponibles dans la salle pour tout à l'heure. À travers ton livre, qui est tout frais parce que le hasard a voulu qu'on se soit rencontré 15 jours, 3 semaines avant l'appel de Jérôme pour préparer cette table, et tu venais de me le remettre en main propre, donc je me suis empressé de le lire. Tu nous invites en quelque sorte à voir la nature comme une sorte d'université populaire. Et ce que j'ai retenu principalement de ton livre, c'est qu'à chacun de mouiller la chemise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la transformation se fasse si simplement que ça. Il va falloir aller un peu au charbon. Tu peux nous raconter ton parcours ? Oui, on peut le prendre de plein de sens, ce parcours. Ce livre est aussi un appel à une forme de résistance cognitive en partant du constat que la forme de connaissance dominante dans notre civilisation, dans notre société, est aussi la principale cause de notre rupture avec la Terre. On a appris
au fur et à mesure de la construction lente et progressive de notre civilisation, à se couper du monde, à s'isoler de la Terre parce qu'elle nous causait des désagréments climatiques, de température, de pénurie, et que petit à petit, notre société s'est construite contre la Terre. Et il ne faut pas oublier non plus que quand on regarde la Terre, on sait qu'on va y retourner. On sait que quelque part, on a rendez-vous avec elle et que anthropologiquement, la Terre est notre destinée finale. Donc on a une défiance vis-à-vis d'elle. Et l'hypothèse que je fais dans cet ouvrage, c'est de se dire à nous de recheminer pleinement et entièrement corps et âme au cœur de la Terre qui nous accueille et de cette portion d'univers qui nous accueille, et de refaire chemin avec une forme de connaissance qui soit complètement reliée, qui soit plus la connaissance dominante de notre société, qui est globalement une connaissance qui se transmet dans des livres, par un savoir constitué, par des sciences dures, par des sciences reconnues. Et on a mis complètement de côté d'autres formes de connaissances, je pense, plus ésotériques dans nos sociétés, plus alternatives, celles qu'on a aussi relayées, j'en parlais avec Sylvain à l'instant, à celui qu'on appelle le chaman, celui qui sait interagir avec les éléments, avec la terre et tout ce qui la constitue, et à qui on a donné ce rôle à un moment donné, peut-être trop tôt dans notre histoire de l'humanité, d'intercéder avec les éléments, d'interagir avec les forces profondes, avec les énergies, avec le vent, l'espace, le temps, avec le chaos. Le chaman est le maître du chaos avec lequel il sait interagir. Et se privant de cette forme de connaissance, on s'est privé aussi de ce lien en prise directe avec la Terre. Et donc cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est le produit d'une expérience intime aussi, hein, puisque ça fait une bonne quinzaine, vingtaine d'années que je mène ces immersions en direct, en prise directe avec la Terre, c'est un appel à renouer avec ces formes de connaissance à l'échelle individuelle. Tu le disais bien, ça commence d'abord à l'échelle individuelle, et c'est le premier pas pour embarquer un collectif. Et c'est ce qu'on a fait au sein de Consort Intelligence, c'est par des expériences et des convictions individuelles qu'on a réussi à embarquer un collectif, d'abord celui constitué par nos collaborateurs, notre équipe, dont certains sont là ce soir. Baisser un peu le micro. Ça marche. D'abord notre équipe, en premier lieu, en les embarquant sur le sens et sur leurs convictions profondes, en mettant non plus simplement le cerveau rationnel, mais les tripes et le cœur sur la table, en se disant « mais qu'est-ce que je veux faire ici-bas, sur Terre ?» Et dans une entreprise, c'est assez rare qu'on se pose ces questions. En embarquant aussi nos partenaires, nos fournisseurs, et puis le plus dur, parce que nos clients sont des énormes entreprises, embarquer nos clients sur ce chemin de la reconnexion, de la prise de conscience de leurs impacts sur la Terre, sur les hommes qui l'habitent et sur tout ce qui habite la Terre en fait. Donc c'est un chemin de l'individu au collectif, et on a une société, certes, Consort Intelligence c'est une société, mais on a surtout le sentiment de faire société et d'œuvrer au cœur d'une société dans laquelle on peut agir et être un acteur de la transformation profonde. Donc depuis 15-20 ans, tu pars avec peu d'objets finalement en immersion dans la forêt pour sentir avec tes sens ce qui t'entoure, l'environnement, te rééveiller en quelque sorte. Oui, ce qu'on peut appeler une forme d'écologie intime et directe. Hein. Ce n'est pas une écologie politique, ce n'est pas une écologie rationnelle et scientifique. C'est une écologie qui est finalement assez primitive de se dire « mais je fais corps avec la Terre et je le ressens. Je coupe tout ce qui m'empêche de faire corps avec la Terre. On a un plancher sous les pieds, on a un plafond, on a des murs, on a une chaise qui nous empêche d'être assis par terre. Toutes ces choses qu'on a oubliées, qu'elles nous délient de la Terre. Notre langage aussi nous délie de la Terre parce qu'il s'interpose entre nous et la Terre. Et puis surtout, le monde des chiffres qui quantifie, qui fragmente la Terre en autant d'éléments quantifiables, distribuables, réattribuables. Faisons fi de tous ces éléments-là. J'ai décidé de me réimmerger en direct et de faire cette expérience de manière intuitive au départ et puis de manière de plus en plus construite. Et est-ce que c'est devenu, est-ce que tu as observé finalement des collectifs qui se sont montés, ou est-ce que ça reste une démarche très personnelle et tu n'as pas forcément identifié des réseaux d'acteurs qui ont la même recommandation, le même cheminement? C'est une bonne question. Il existe déjà des collectifs embarqués dans ce type de chemin. certains se sont mis dans les chemins proposés par ce livre en vivant leur propre expérience, et j'ai commencé à accumuler un certain nombre de retours d'expérience. C'était la vocation de ce livre, en fait, c'est d'être un guide sans qu'il y ait le guide, celui qui guide, celui qui est à nouveau en train de construire un pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. Là, on fait fi de tout ça et on se dit on y va en direct soi-même. On n'a plus peur d'être seul, parce que c'est souvent aussi le problème. On a peur d'être seul face à la nature et à l'univers. Donc voilà, c'est plutôt le parti de se dire ce livre se veut le guide en lui-même
et pas besoin d'être embarqué par quelqu'un. Donc ça a embarqué des petits collectifs, j'en ai un certain nombre de retours, mais je crois surtout que ça m'a donné l'énergie à mon échelle d'embarquer mon collectif, celui de mon entreprise, et ça a été, quand tu parlais tout à l'heure du point de départ, ça a été un certain catalyseur de la bascule de l'entreprise Consort Intelligence, qui à un moment donné a vraiment fait une bascule d'engagement. Alors c'était un engagement qui était en germe, hein, entre mon associé et moi, on se connaît depuis très longtemps, on était dans des milieux alternatifs, dans les années 90, on se connaissait déjà à ce moment-là. Puis le journalisme d'investigation que j'ai choisi comme premier chemin pour mener l'enquête sur les coulisses du monde et son fonctionnement profond. Donc cet engagement, il est déjà lointain, mais il s'est vraiment révélé, je pense, et exprimé et catalysé avec l'écriture de ce livre qui a été un point de bascule, quoi. Juste un rebond qui va durer 30 secondes. C'est un livre que j'ai ressenti comme joyeux. Et j'aimerais apporter ça en complément de ton témoignage. C'est-à-dire que moi, j'ai eu envie de moi aussi partir en forêt et d'aller sur tes pas et me dire qu'est-ce que ça doit faire de rester un jour, deux jours, trois jours ou plus, comme ça. Donc c'est cette dynamique que je voulais rajouter par rapport à ton discours qui est intéressante, qui est intrigante et qui donne envie. Et c'est vrai qu'à aucun moment, le livre ne se transforme en méthode. C'est avant tout un témoignage personnel pour dire, voilà, moi, je l'ai vécu comme ça, ça m'a apporté ça, je vous invite à tester. Ça reste très, très libre, finalement, dans la proposition. Le pire, ça aurait été de devenir une sorte de méthode fermée, alors qu'en fait, je pense que chacun peut trouver son chemin avec sa propre histoire, sa propre personnalité, ses propres peurs, ses propres limites, sa propre temporalité. Moi, je dis, c'est une histoire de 15 ans. Je pense qu'en ayant écrit ce bouquin, je facilite le travail pour accélérer un petit peu la démarche de reconnexion, parce qu'il s'agit vraiment de reconnexion. Hein. Mais cela dit, laissons du temps au temps. C'est un peu comme les arts martiaux, ça se pratique pendant 10, 15, 20 ans avant de commencer à toucher quelque chose de sérieux. Il faut aussi réapprendre à se donner du temps. Merci pour ton témoignage. On va continuer avec le livre de Sylvain, La Perma-Entreprise. Alors, La Perma-Entreprise... J'ai découvert le principe à travers Thomas, ton fils, qui travaille également dans l'entreprise. Et peut-être qu'avant même de rentrer dans le fond du propos, le concept de perma-entreprise, permaculture, pourrait être redéfini pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce qu'est la permaculture. Ok. Déjà, pourquoi j'en suis venu là, c'est parce que j'évoquais tout à l'heure tout le parcours que j'ai pu faire avec différents engagements et mon entreprise, donc quand même très impliqué par rapport à cette RSE. Et en 2019, je me suis dit faut qu'on arrête de s'auto-satisfaire, parce que si la RSE avait été si imprégnante, si efficace que cela, le monde ne s'est pas détérioré comme il s'est détérioré. Et quand je dis le monde, c'est l'environnement, la planète, mais aussi social. Parce que de toute façon, tout est interdépendant. Hein. Ça, c'est extrêmement important à intégrer. Et donc, je me suis dit, mais parce que j'ai toujours dans mon entreprise, tu peux critiquer tout ce que tu veux si tu es force de proposition. Donc, je me suis mis, sois force de proposition. C'était un peu compliqué, mais j'ai eu cette intuition que la permaculture, qui est pour moi quelque part le plus vertueux des modes agricoles, pouvait inspirer. Et pourquoi ça s'est concrétisé ? J'ai fait un groupe de travail avec des collaborateurs, d'autres dirigeants, un philosophe. Et en fait, j'ai même découvert beaucoup de choses dans la permaculture. Le fondateur a fait un bouquin de 700 pages, écrit très petit sur tout le concept. C'est pour vous dire que c'est du lourd. Et c'est vrai que j'ai découvert que les bases étaient trois principes éthiques. J'y reviendrai. Hein. Qu'il y avait 12 principes de conception sur le comment faire, qu'il y avait des concepts comme la régénération, comme l'agencement des écosystèmes, tout un tas de choses où je me suis dit, mais ça, si j'arrive à transposer ça dans l'entreprise, ça peut quoi faire ? Ça peut créer un nouveau modèle de développement d'entreprise. Parce que je crois et je continue de croire que l'entreprise est la mieux placée pour essayer d'enrayer le monde tel qu'il se décrit aujourd'hui. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de modèle de développement. Si, il y en a un, c'est le modèle unique qui est que financier et qui favorise des croissances systématiques qu'on ne sait plus faire, donc par croissance externe, etc. Mais il n'y a pas d'autre modèle de développement. Les RSE, il y a des référentiels. On va vous dire, voilà, des indicateurs qui peuvent vous aiguiller.
Mais ce n'est pas un modèle. Un modèle, c'est comme un patron dans la culture, dans la couture, hein, où on est capable de redécouper des pièces de tissu en permanence de la même manière. Simplement, après, on va dire, tiens, quel tissu je veux, quelle couleur je veux, etc. On va pouvoir conceptualiser tout ça. Donc, c'est ça que je me suis dit, il faut créer un modèle. Et puis, en rencontrant beaucoup de dirigeants, de toute façon, franchement, un grand nombre me disent, mais moi, j'ai envie d'aller plus loin dans mes engagements, mais je ne sais pas comment faire. Mmh. D'où le fait de dire, bah, je vais essayer, restons modestes, hein, parce que ce n'est pas si simple que ça, mais de vous proposer un modèle. Et donc, par rapport à Bertrand, pas un modèle fermé, comme tu l'as dit, mais plutôt un modèle qui fasse qu'on contextualise complètement son entreprise, qu'elle soit de 5, de 10, de 50, de 1000, de 10 000 salariés, etc. Est-ce qu'il y a justement un profil type d'entreprise qui a plus de facilité à s'engager dans cette transformation qui touche au management et au modèle économique, en termes de taille, de secteur, en termes de gouvernance, par exemple ? En fait, il y a des secteurs ou des entreprises où le terrain est plus fertile que d'autres. Hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Mais la clé, c'est la posture de ou des actionnaires. Voilà. Si les actionnaires ne sont pas convaincus de cette vision-là, je ne dis surtout, ne faites rien, vous allez décevoir tout le monde. Hein, donc l'actionnaire, il peut être d'une entreprise de 5 ou de 50 000 ou... Ça ne change rien. C'est la posture de l'actionnaire qui va décider finalement de l'intérêt de mettre en œuvre un tel modèle parce que il y a évidemment une autre vision des choses, une autre vision du rôle de l'entreprise dans le monde, une autre façon de gouverner l'entreprise, de la manager, de l'organiser, évidemment très collaborative. Enfin, ça remet en cause beaucoup de choses. Il faut y croire. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'un modèle comme ça va aussi engendrer une meilleure performance. Et donc, c'est pour ça que je parle de temps en temps dans l'entreprise, parce que je suis obligé de montrer que c'est performant. Mais plus on sera nombreux à démontrer que c'est performant, plus on va convaincre les actionnaires. Et justement, sur la question de la performance économique, est-ce que le fait de viser non pas seulement une performance économique, mais aussi une performance sociale et environnementale, est compatible avec le même niveau de performance financière ? Ou est-ce que forcément, il y a un système de vase communicant ? Alors... je ne dis que ce que je fais. Mmh. C'est un principe. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous développez ce modèle avec ces trois principes éthiques, ces principes de conception, etc., vous allez aboutir à un projet constitué d'enjeux à court et moyen terme. Et ça, construit avec la méthodologie que je propose, ça doit vous amener à créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que, finalement, vous allez dire, ah oui, je ne suis évidemment pas pour la maximisation du profit, c'est l'antimodèle. Je vais sans doute repenser mes offres produits et services pour que ça soit aligné sur les trois principes éthiques qui sont prendre soin des hommes, préserver la planète, fixer des limites et redistribuer équitablement la richesse. Donc on va commencer à bouger tout cela. Et finalement, le modèle va amener ce cercle vertueux à dire mais finalement, c'est intéressant parce que la conséquence, c'est que, je parle de mon domaine, j'ai sans doute un turnover deux fois inférieur à tous mes confrères. Mmh. Ah, puis c'est intéressant, on est à 2-3 jours en moyenne d'arrêt maladie dans l'entreprise. C'est ça, créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à la sortie, vous gagnez plus d'argent. Et je le dis en regardant la caméra, c'est important de le dire. C'est plus performant, mais il faut trouver ce cercle vertueux. Et donc, il faut évidemment dérouler ce modèle dans sa globalité. Sinon, si on le fait à moitié, là, on va se dire, ah ben non, ça ne marche pas. Alors, Bertrand, tu disais tout à l'heure qu'il fallait savoir s'extraire des chiffres. mais malgré tout, dès qu'on revient dans le monde économique, il est difficile de ne pas mesurer. Et pour calculer ce qui est quasiment immatériel dans l'absolu, c'est-à-dire le bien-être, on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Mozart Consulting, avec l'indice de bien-être au travail, qui, à partir des données du SIRH, permettent de mesurer par le turnover, les ruptures de contrat, les accidents de travail, ce qui est contraire au bien-être et par inversement en déduire un indice de bien-être. Et il y a effectivement une corrélation basée sur le CAC 40 qui a été mesurée 2 années de suite entre la performance économique et le niveau de l'IBET, l'indice de bien-être au travail, pour tendre vers des indicateurs mesurables pour répondre à des enjeux plus financier et tenter de faire cette démonstration. En tout cas, les chiffres sur le CAC 40 tendent à prouver qu'effectivement, il y a cette corrélation. Ouais. Oui, non, mais en fait, je cautionne parce que
Moi, le modèle aboutit à un référentiel d'indicateurs d'objectifs d'impact pour mesurer. Et donc, dedans, évidemment, il va y avoir un certain nombre d'objectifs d'impact qui vont toucher le côté prendre soin des humains, internes, les salariés, mais également externes, hein, aussi bien nos clients que des associations avec lesquelles on travaille, etc. Donc, c'est important de mesurer ça parce que, encore une fois, le monde s'est extrêmement fragilisé. Je ne sais pas si vous touchez ça du doigt, mais moi, je n'ai jamais autant rencontré de personnes fragiles dans l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est pas rien de se dire que on va essayer d'apporter quelque chose par rapport à cette fragilité. J'ai évoqué en début d'année le fait que je me posais la question, est-ce que finalement l'enjeu presque principal de l'entreprise aujourd'hui, c'est de ne pas de nourrir de la sérénité? Mmh. On ne fait pas le bonheur pour les gens, on ne fait pas la sérénité pour les gens, mais nourrir, c'est-à-dire créer un contexte dans l'entreprise, un contexte et également prendre des initiatives qui vont faire que chacun va pouvoir essayer d'asseoir un peu plus sa sérénité. Je crois que ça devient fondamental tellement il y a de fragilité humaine. Je me permets un petit mot rapide, hein, comme précédemment. J'ai participé à un livre qui s'appelle « L'antifragilité », qui a été préfacé et organisé par Sofiane Frimous, qui est un chercheur. Et c'est un concept qui est en vogue et qui est très différent de la résilience. Parce que la résilience, c'est revenir dans la forme initiale, en quelque sorte, après un choc. Tandis que l'antifragilité, c'est progresser grâce au choc. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on peut se demander si en effet, au niveau de la Terre, au niveau de l'entreprise, il ne faut pas aller vers un système d'antifragilité où on va rebondir par rapport à ce qu'on subit actuellement et par rapport à la somme de stress et de choses comme ça. Je vais pas être long, mais oui, allez-y. Pour donner un autre éclairage, dans le modèle, il y a un concept de régénération. Donc évidemment, on pousse à ce qu'on s'interroge sur la régénération des ressources de l'entreprise, dont les ressources humaines. Dans mon entreprise, la première des choses qui a été traduite, c'est qu'il faut chercher à régénérer les énergies positives de manière permanente. Voilà. Et en faisant la liste des choses qui peuvent exister, on se leur a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et donc, mon ami Bertrand, ce qu'ils nous ont demandé, les salariés nous ont demandé de pouvoir être reconnectés à la nature dans le cadre de leur travail. Et que ça, c'était la meilleure des régénérations au sens énergie positive, en complément de ce qu'on pouvait faire par ailleurs. Intéressant, pas étonnant, parce qu'après, je me suis dit, mais je n'y aurais pas pensé, mais en fait, c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc, mais c'est pour montrer aussi que le monde bouge beaucoup et que, quelquefois, il faut surtout partir des autres pour réussir. Et partons des collaborateurs, puisque c'est le sujet, partons d'eux pour voir ce qu'on peut faire. Mais partons surtout pas de soi, on va se planter. Je vous partage un chiffre qui est recalculé chaque année, qui est le coût du désengagement par salarié en entreprise de plus de 14 000 euros annuels par tête. Et ce coût qui est calculé quand même sur une masse de données assez significative, on est bien au-delà du CAC 40, on est sur toutes les données issues de la sécurité sociale, de maladies, enfin... Il y a plein de data qui sont mises à disposition pour ce rapport annuel. Et donc, ça signifie qu'en réduisant le désengagement donc, par tous les leviers qui ont été évoqués, il y a une économie qui peut être réaffectée aux investissements nécessaires pour cette transition, qui, de fait, est un coût, malgré tout, est un effort à fournir. On va poursuivre avec le livre de Pierre. Donc, je rappelle le titre, « Géomimétisme ». Réguler le changement climatique grâce à la nature. Le géomimétisme versus la géo-ingénierie, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner des deux parties? Bien sûr. Et ensuite, j'essaierai de réatterrir sur l'entreprise parce que c'est quand même le thème de ce soir. La géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'idée que grâce à la technologie, vous allez pouvoir... avoir un impact direct sur le climat. Pour que ça soit géo-ingénierie, il faut que la volonté, ça soit d'avoir un impact direct, contrairement à des techniques d'atténuation, comme la captation des gaz à effet de serre en sortie de cheminée, par exemple. Ça, c'est du CCS, Carbon Capture and Storage. Ce n'est pas du DAC, Direct Air Carbon Capture. Ça, c'est des gros aspirateurs à CO2. C'est de la géo-ingénierie. Bref, il y a d'autres types de géo-ingénierie.
le management du rayonnement solaire, des gens qui vous expliquent qu'on va envoyer dans la haute atmosphère des particules, du dioxyde de soufre, pour reproduire l'effet d'un volcan, parce que ces petites particules dans la très haute atmosphère ont un effet de micro-miroir, hein, font rebondir une partie des rayons du soleil vers l'espace. On a aussi une géo-ingénierie du cycle de l'eau, de la pluie artificielle. Bon, ça, ce sont des choses qui sont maîtrisées depuis un certain nombre d'années. Hein. Les Américains, pendant la guerre du Vietnam, faisaient déjà surpleuvoir les nuages en immisçant des iodures d'argent par avion. Donc des microparticules qui vont faire condenser les gouttelettes d'eau présentes dans les nuages et accélérer, augmenter la pluie. J'ai réussi à embourber une partie de la logistique du Viet Cong grâce à ça. Ça a plutôt bien marché, c'est l'opération Popeye. Et puis maintenant, le contrôle de la météo, hein, c'est quelque chose qui est comme assez commun. Je parle de l'eau, puisque le gouvernement chinois, par exemple, a annoncé qu'en 2025, il serait capable de faire pleuvoir, entre guillemets, sur commande, sur la moitié ouest de son territoire. Bon, pas sur commande, dans le sens où il faut qu'il y ait des nuages pour les faire éclater. Mais ce qui pose tout un tas de sujets géopolitiques, hein, parce que ces nuages, surtout quand c'est la période de la mousson, mais ils sont censés finir leur course dans les contreforts de l'Himalaya, alimenter des glaciers qui eux-mêmes alimentent tout un tas de fleuves qui n'alimentent pas seulement la Chine, que ce soit le Mékong, le Brahmapoutre, etc. Bref, je referme cette parenthèse. Voilà. Donc ça, c'est les trois grands types de géo-ingénierie. La géo-ingénierie solaire, hein, c'est la plus fantasmagorique, c'est la plus impressionnante, mais clairement, il se passe pas. Même si l'Académie des sciences américaines a encouragé récemment le gouvernement à investir un peu là-dessus, on a des équipes qui s'y mettent au MIT, etc. C'est un peu flippant, mais ça ne fait pas masse critique. Par contre, la géo-ingénierie de la captation du carbone, gros sujet. Gros sujet, c'est gros aspirateur à CO2. Hein, c'est donc le DAC, encore une fois. Comment dire? Les milliards pleuvent sur ces technos en ce moment. C'était prévisible. Derrière, vous avez le lobby des pétrogaziers et vous avez un autre lobby qui concerne plutôt les boîtes de la Silicon Valley qui se disent que le premier qui développe une techno pour capter la tonne de CO2 pas chère, $150 par exemple, il s'ouvre un énorme marché qui est le marché des quotas carbone, qui est un marché qui est en train de se structurer. C'est 80 milliards d'euros en 2022, ça sera probablement de l'ordre de 4000 milliards d'euros en 2030, c'est les premières projections qu'on a, et un marché qui est en train d'être structuré au niveau mondial. Pendant la dernière COP, l'avant-dernière, celle de Glasgow, on a l'article 6 qui prépare un peu l'ouverture de ces marchés qui sont pour l'instant régionaux. Pour l'instant, vous avez un marché européen de quota carbone. Bon, voilà, donc ces gens-là, ils ne le font pas par charité chrétienne, peut-être un petit peu par démiurgisme. Hein, Bill Gates, il finance à fond tout ça, certes, mais c'est des gens qui anticipent ce marché colossal. Problème, ces technos, elles ne marchent pas, elles ne sont pas prêtes de marcher. Non seulement elles ne marchent pas, mais en fait, il faut tellement d'énergie pour ces gros aspirateurs, parce qu'il faut que vous compressez l'air dans un filtre qui contient une matière qu'on appelle un sorbant qui va coller le CO2. Ensuite, il faut que vous fassiez chauffer ce filtre pour réextraire le CO2, que vous le comprimiez et que vous l'envoyez via des pipes et des compresseurs dans des couches géologiques qu'on espère hermétiques, stables. Ça fait beaucoup, beaucoup de conditions pour arriver à un truc un peu clé en main qui fonctionne. On pourra revenir sur pourquoi est-ce que les gens se jettent sur ce genre de technologie. Derrière, il y a l'imbrication avec le système financier, c'est passionnant. Mais voilà, tout ça pour dire que... vous avez une boîte, par exemple, qui est pionnière là-dedans, qui s'appelle Climeworks, qui officie deux petites usines de captation du CO2, notamment une en Islande. Alors, c'est la plus grosse usine actuellement en service sur cette technologie-là. Elle capte, tenez-vous bien, l'équivalent par an de ce qu'émettent 800 voitures. Voilà. 4000 tonnes de CO2. Donc, c'est rikiki. Pourtant, la facture énergétique, elle est colossale. Si on devait capturer un quart de nos émissions de l'humanité, hein, chaque année, via cette technologie-là, eh bien, faudrait multiplier la facture énergétique de l'humanité d'un facteur 1,5. Bon, c'est un ordre de grandeur sympathique. En gros, faut oublier. Faut oublier aussi parce qu'il n'y a pas de rupture technologique de prévu là-dedans avant un bon moment. Parce que je vous ai dit, hein, c'est pas comme les panneaux solaires où là, on a eu des super gains de productivité. Le photovoltaïque, c'est simple comme technologie. Voilà, on a des cellules, il faut optimiser le rendement. Bon, là, vous avez
trop de complexité dans la techno pour des ruptures. Il faudrait plein de ruptures en parallèle. Bref. Mais cette petite boîte, la Climeworks, elle a levé 650 millions de dollars. Et derrière, vous avez le gouvernement américain, dans le Reduction Inflation Act, hein, qui débloque beaucoup de crédits pour la transition, entre guillemets, mais une niche d'impôt. En gros, si vous captez une tonne de CO2 via ces gros aspirateurs, vous avez un crédit d'impôt de 240 dollars par tonne. Donc, ils sur-sponsorisent à fond ce truc-là parce qu'ils veulent faire émerger leurs entreprises. Et derrière, encore une fois, la plupart des technos de ces gros aspirateurs, c'est les pétro-gaziers qui les ont développés dans les années 70 pour optimiser leur extraction de fossiles. Parce qu'en gros, ils renvoient le CO2 dans les couches qui sont encore relativement pleines de pétrole pour augmenter la pression, pour faire jaillir le pétrole plus facilement. Cette techno, elle naît de là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les pétroliers, maintenant, ils veulent gagner du fric en réenfouissant du carbone et en réextrayant, grâce au carbone qu'on réenfouit, du pétrole. Je ne vous fais pas le topo. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ouais, exactement. Exactement. Je me suis vachement... j'ai pris trop de temps là-dessus, mais c'est intéressant parce qu'en gros, c'est vraiment les controverses qui vont venir. Aux États-Unis, on est déjà dedans. Hein. Donc, vous avez le camp techno-solutionniste contre le camp bio-inspiré, puis naturel de carbone. C'est en train de venir en Europe, même si c'est moins dans notre culture. On n'a aussi pas forcément d'acteurs qui se sont placés là-dessus, mais ça pourrait venir. Moi, ce que je dis, ce que j'ai dit encore sur France Inter il y a quelques semaines, etc., c'est préparez-vous à anticiper cette controverse-là, parce qu'elle peut nous faire perdre 10 à 15 ans dans notre effort climatique. Parce que, en gros, pendant les COP, etc., si vous allez voir des décideurs et que vous leur dites que la techno arrive, ils vont pas réduire le problème. Le problème, ça s'appelle les énergies fossiles, hein, c'est 70% de nos émissions chaque année. Le reste, c'est du changement d'affectation des sols. Bon, voilà le nœud du problème. Cela dit, le géomimétisme, c'est le contre-modèle à ça. Ça vient de géo la Terre et biomimétisme, c'est une contraction. Et l'idée, c'est que les puits naturels de carbone, ça capte du CO2, mais depuis photosynthèse, environ 3 milliards d'années, de manière très, très optimisée. Et ça marche très bien. Il y a 5 grands puits naturels de carbone, les forêts, hein, on y pense spontanément. Si on reforestait de manière biomimétique, hein, c'est-à-dire en reproduisant des cocktails d'espèces, etc., d'essence, sur un tiers des surfaces de forêt actuelles, hein, c'est le potentiel max, hein, c'est l'école polytechnique de Zurich qui nous dit ça via satellite, machin, on pourrait absorber l'équivalent de 20% de nos émissions chaque année. C'est du tout de choses égales par ailleurs, parce qu'il y a des pertes, il y a des parasites, il y a des sécheresses, il y a du changement climatique, ok, mais c'est intéressant. Si vous faites de l'agroécologie, partout sur Terre, donc vous arrêtez le labour, vous faites du... agriculture sous couvert végétal, vous faites de l'agroforesterie, vous replantez des haies. Pareil, vous réabsorbez 10% d'émissions en plus, équivalent de ce qu'on émet chaque année. Là, alors que l'agriculture actuellement, c'est, si je sors la déforestation liée à l'élevage, que j'ai compté juste avant, c'est 10% de nos émissions. Ensuite, vous avez les zones humides, moins connues, hein, mais les zones humides, les deltas, les marécages, les mangroves aussi, c'est 3% des terres émergées. Pourtant, c'est 30% du carbone qui est contenu dans les sols. Parce que vous avez un phénomène de... la matière organique, elle meurt. Les végétaux, ils tombent dans une eau qui est pauvre en oxygène. Et de là, ça ne se transforme pas en CO2 avec les bactéries, mais un petit peu en méthane et beaucoup en tourbe, en carbone qui s'accumule et qui, quelques millions d'années plus tard, donne du charbon. Ensuite, vous avez le permafrost. Je vous passe les détails, mais en gros, il faut réintroduire... c'est l'hypothèse Zimov, hein, pour ceux qui connaissent, mais réintroduire des grands troupeaux d'herbivores parce qu'en hiver... Pour se nourrir, ils vont gratter la neige, qui est un isolant thermique, et donc exposer le sol de Sibérie, par exemple, à des vents très très froids, à moins 50 degrés, et donc faire refroidir le sol mieux que si vous avez de la neige dessus. Et donc ça sur l'inertie, hein, l'été, ça permet à vos sols de fondre moins vite. Le permafrost, c'est un sujet. Et puis, dernier grand puits naturel de carbone, qui est le moins connu, hein, sans doute celui que je trouve le plus fascinant, c'est la vie marine, ce qu'on appelle la pompe biologique océanique, qui va du phytoplancton jusqu'aux baleines, mais tout ça absorbe. Le phytoplancton, c'est la moitié de la biomasse végétale produite chaque année
sur Terre et tous les organismes marins contiennent du carbone dans leur corps. Une partie meurt et finit par couler sur le plancher océanique. Là, même topo, il y a peu d'oxygène et il y a beaucoup de pression à des grandes profondeurs. Et donc, vos petites bactéries, elles ne peuvent pas redigérer votre matière organique et en refaire des gaz à effet de serre. Elles vont faire du méthane, mais ce méthane, il va être plaqué sur le plancher océanique par la pression et la température. Ça va faire des glaces de méthane, des caltrates. Et ça, c'est une forme stable du carbone. Ça va faire aussi des vases, du sable à partir de coquilles. Les coquilles, c'est carbonate de calcium, ça capte aussi du carbone. Bref, donc plus vous avez de vie dans les océans, plus cette pompe de carbone est puissante. Donc, faut arrêter la surpêche. Voilà. Je ne vous fais pas tout l'éventail des solutions. J'ai déjà été trop long. Donc non, mais ça restait une démonstration intéressante. Le cocktail de toutes les solutions que tu as évoquées, on arrive à combien en pourcentage ? Alors, c'est un ordre de grandeur évidemment très brut. Environ l'équivalent de 40% de ce qu'on émet chaque année, actuellement. D'accord. Donc, si on émet moins, ça fait plus. Voilà, c'est du relatif. Mais, et puis, si on émet beaucoup moins parce qu'on sort des fossiles, ça peut être une surcompensation. D'ailleurs, dans les travaux du GIEC, maintenant, on mise beaucoup sur ce qu'on appelle toutes les solutions de carbon dioxide removal, d'émissions négatives. Et alors, juste pour atterrir sur performance de l'entreprise, pour une PME, dans tout ça, à part la sensibilisation en tant que citoyen sur les enjeux, les débats, est-ce qu'il y a des leviers d'action ? Est-ce qu'il y a des répercussions sur la stratégie ? Alors, il y a le grand chapitre de la bio-inspiration en général, qu'on ouvrira peut-être tout à l'heure, parce que, en gros, il faut que l'entreprise elle fasse du biomimétisme de niveau 1, si elle est industrielle, enfin bref, de niveau 2, organisationnel. Enfin, niveau 1, du coup, c'est l'inspiration en termes d'ingénierie. On s'inspire de la nature pour consommer un minimum de matière et d'énergie pour un maximum d'efficacité. Niveau 2, biomimétisme organisationnel, on y reviendra, c'est passionnant parce que ça rejoint énormément. C'est vos voix et vous. Voilà. Et biomimétisme de niveau 3, qui est de biomimétisme écosystémique, c'est comment est-ce que l'entreprise sur son territoire est bien pluguée sur tous les cycles pour économie circulaire. Quoi. Donc voilà. Et puis sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la capture du carbone, c'est la grande question de la compensation carbone. Très rapidement, quand Air France vous vend un billet d'avion neutre en CO2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que derrière, 90% des crédits carbone sont basés sur rien, c'est-à-dire sont basés sur des labels qui vont mandater des entreprises pour protéger des forêts qui existent déjà et compter des tonnes épargnées de si la forêt était rasée. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est de la grosse douille. En gros, si on rasait cette forêt, on émettrait tant de CO2. Puisqu'on ne la rase pas, puisqu'on la protège, c'est tant de CO2 de crédit carbone. Voilà. Donc ça, c'est 90% des crédits. Et puis les autres, c'est des forêts en monoculture qu'on plante n'importe comment, des eucalyptus sur le pourtour méditerranéen, du pin douglas, enfin, des picéas, qui sont des monocultures d'arbres qui poussent très très vite, mais qui sont les premières à flamber et à se faire dégommer par des parasites style scolyte ou bostriche en Europe centrale. Enfin, je ne vous fais pas le topo, mais ça, pour moi, c'est une forme de géo-ingénierie. C'est-à-dire que dans la nature, vous n'avez pas de monoculture. Donc, à partir du moment où vous plantez qu'une seule espèce d'arbre, c'est un peu très artificiel. Si je peux me permettre, dans les crédits carbone, il décompte les émissions de 30 ans de l'arbre dès le premier jour. Et oui. Pour vous dire que c'est d'enfumage. Alors, merci Pierre. Ça fait une bonne transition pour passer le micro à Jérôme, parce qu'il y a quelques semaines de ça, on était dans cette même pièce pour une autre table ronde dédiée à l'esprit critique. Et cet enfumage marketing, ça nécessite de ne pas se contenter de prendre les messages qui arrivent, mais d'élaborer une analyse en profondeur. Donc vous avez le replay de cette table ronde qui est disponible à la fois sur le site Interliguéré, sur le site et le blog de Sindup. Voilà, c'était pour la transition avec Jérôme qui a écrit donc Petit bestiaire de la gestion des informations. Alors comment tu fais le lien,
Jérôme, entre un flamant rose et les sciences de l'information? Alors, merci Michael. Je vais reprendre une expression que mon voisin de droite a utilisée il y a quelques instants, c'est l'expression biomimétisme organisationnel. Et en fait, c'est le sujet de mon livre. Ça fait des années que je suis dans le monde de l'intelligence économique, ça fait des années que j'essaie de convaincre, j'y arrive, mais j'essaie de convaincre les entreprises de l'importance d'une bonne gestion des informations. En plus de cela, je suis sensibilisé, comme on l'a vu tout à l'heure, aux aspects écologiques. Et force est de constater que ce n'est pas si simple. Un chef d'entreprise, et notamment un chef d'entreprise de PME, peut avoir toute une série de problématiques qui sont plus importantes. Et donc, j'ai développé avec les années des argumentaires, des exemples, des choses qui sont frappantes. Et pendant la période du Covid, je me suis amusé dans ce livre à faire un parallèle entre le monde des animaux et le monde des entreprises. Et le lien est fait par cela. C'est-à-dire que je pense qu'on peut essayer de sensibiliser de manière ludique et agréable sur des sujets qui peuvent être complexes et extrêmement impliquants, comme l'écologie et comme l'intelligence économique. Alors, quel lien entre un flamant rose et nos sujets? C'est bien simple. J'ai pris une trentaine d'animaux remarquables. Alors, non pas remarquables parce qu'ils sont très grands, très forts ou très beaux. J'ai pris des animaux relativement communs, comme un flamant rose. J'ai pris une mouche, j'ai pris le chien, l'abeille. Et j'ai extrait de leur comportement quelque chose qui avait une valeur emblématique. Un exemple parmi d'autres, la baleine. La baleine, c'est un animal merveilleux qui a englouti des grandes quantités d'eau et qui recrache ensuite l'eau au travers de ses fanons. Et ces fanons jouent le rôle de nasse, qui fait qu'elle va récupérer des nutriments, du krill, hein, des petites crevettes, et se nourrir de ça. Mais fondamentalement, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas là quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de moteur de recherche? Qu'est-ce que fait le moteur de recherche? Il avale d'immenses quantités de données informationnelles qu'il va pouvoir filtrer au travers de ses fanons, de ses algorithmes, et finalement nous en offrir la substantifique moelle, les éléments nutritifs au niveau informationnel. Voilà, un exemple parmi d'autres. Je me suis aussi amusé à parler d'un animal que tout le monde connaît, qui est l'abeille, la merveilleuse abeille. Jean-Claude Ameusen, sur France Inter, dans l'émission sur les épaules de Darwin, a fait de nombreuses émissions sur les abeilles. Alors, avec cet insecte, on a un insecte social, hein, et vous avez des modes de décision qui sont purement démocratiques. Donc l'être humain n'a pas inventé en quelque sorte la démocratie. Alors, est-ce que vous savez comment font les abeilles pour choisir une nouvelle ruche? Choix éminemment stratégique, puisque si le choix de la ruche n'est pas bonne, c'est la colonie qui meurt. Je parle bien sûr de ruches dans la nature. Hein, pas de, voilà. Donc comment font-elles? C'est très très simple. Vous avez les abeilles les plus expérimentées, les éclaireuses, qui connaissent l'environnement et qui vont revenir à un moment bien précis et qui vont donner des indications sur un endroit qui semble le plus intéressant. Si une autre éclaireuse n'est pas d'accord, elle va l'empêcher de faire sa danse et lui donner des petits coups de tête. Si la première abeille est vraiment convaincue, elle va forcer la chose. D'autres vont l'explorer, vont revenir, donner un avis, entre guillemets, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de langage parlé comme le nôtre. Et au final, la décision ne sera prise que quand il y aura consensus. C'est-à-dire que quand une danse pour amener le choix de la ruche vers un endroit ne sera plus contredit. C'est pas merveilleux, ça? Et donc, je pense que dans nos organisations, pour réfléchir aussi, on pourrait réfléchir à quelque chose qui s'inspirerait de de ce qu'on voit dans la merveilleuse nature. Alors, deux exemples, Michael, il y en a plein d'autres dans ce livre. Et l'idée, c'est de rapprocher, je termine par là, hein, c'est de rapprocher finalement deux centres d'intérêt qui sont tous les deux essentiels pour l'humain avec un grand H, pour nos organisations, et qui ont parfois du mal à faire passer les messages. Parce qu'on peut avoir quelque part, dans l'intelligence économique et dans les messages écologiques, quelque part d'informations anxiogènes. Ce n'est pas facile. Je pense que vous avez dû lire les livres des collapsologues, hein, Aurélien Barraud et les autres. Pour peu qu'on donne du crédit à leur thèse, on dort mal après. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi, j'ai passé pas des nuits blanches, pas quand même, mais quand on tire la couverture et qu'on regarde le plafond en se disant « Ouh là 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 là, ça va quand même mal se passer », voilà. Et faire ensuite passer le message est très compliqué. Je termine. Il y a moyen de faire passer les messages de manière ludique, de manière un petit peu décalée. Et dans ce cadre-là, j'ai aussi développé un wargame, donc un jeu sérieux, qui vise à faire passer les idées de manière, encore une fois, ludique, agréable, pourtant sur des sujets essentiellement sérieux et importants pour nos organisations. Donc, tu es parti de ton champ de compétences, qui est la gestion de l'information, pour
avoir cette invitation inspirante au biomimétisme. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on peut retrouver dans ton livre, mais plus généralement dans tes recommandations, en tout cas ton partage d'expérience personnelle, qui est sur les sujets que l'on évoque, qui font l'objet d'une certaine complexité et donc d'une noyade de surinformation, de parfois aussi lever le pied, de prendre un peu de distance et de se tourner plus vers de la lecture, de couper un peu les canaux. Ah oui, oui, oui. Alors tu fais référence à notre précédente conversation, hein, quand on a parlé justement de recul critique. Oui, absolument. Alors dans un monde où l'information va vite, où TikTok et Twitter nous invitent à nous exprimer sans cesse et où c'est la rapidité qui prime, en effet, je prône et je prône pour moi-même, j'effectue une sorte de déconnexion. Alors bien que je sois très présent sur les médias sociaux, ne serait-ce que pour parler de mon activité entrepreneuriale, eh bien, je me suis forcé au départ, maintenant c'est un plaisir, je me suis forcé au départ à lire un livre par semaine, ce qui est tout à fait faisable, hein, notamment quand on lit dans les transports en commun, un livre par semaine, et qui plus est, en faire un compte-rendu, parce que le lire c'est bien, mais ensuite essayer de retranscrire ce qu'on a retenu est mieux. Et donc depuis maintenant environ 20 ans, une fois par semaine, alors c'est pas aussi, la fréquence n'est pas établie, mais une fois par semaine, vous avez sur inter-ligueret.fr, donc sur le blog du site de mon entreprise, vous avez une fiche de lecture. Et c'est une déconnexion qui me permet de prendre ce recul critique, de faire cette déconnexion, de voir les choses un petit peu de haut, et qui est une véritable respiration intellectuelle dans un tourbillon informationnel. Je termine avec une sorte de métaphore. Actuellement, nous sommes des sprinteurs de l'information, à une époque où, en réalité, nous devrions être plutôt des marathoniens d'information, c'est-à-dire gérer notre respiration, notre effort informationnel sur un long terme, plutôt qu'essayer de faire un 100 mètres à toute vitesse. Merci Jérôme. On va refaire un tour de table qui va être celui-ci assez bref. Ce que j'aimerais, en commençant par toi Bertrand, c'est que vous nous disiez quel est votre ressenti par rapport à votre proposition, à votre posture en termes d'avancée. Où en est finalement le cheminement que vous avez évoqué? Est-ce que vous avez l'impression que ça prend de l'ampleur, que ça se généralise, que ça va plus vite ou au contraire trop lentement et ça patine? Et puis au-delà de ce constat de situation, c'est quelle serait pour les personnes qui nous écoutent l'invitation du premier pas, si on veut s'inspirer de vos témoignages? Alors, intéressant cette question. Comment mesurer le chemin qu'on a parcouru? Je pense qu'à l'échelle globale, à l'échelle sociétale, on mesure évidemment qu'il y a une accélération de la prise de conscience et qu'elle se manifeste par la façon dont les entreprises sont interpellées par leurs salariés qui se regroupent en collectif, par leurs actionnaires qui leur demandent de bouger, de faire autrement, par leurs grands clients qui les font bouger aussi. Donc globalement, on considère comme Sylvain que l'entreprise est la clé du changement et de la bascule en fait de nos comportements environnementaux et humains. Et on constate qu'il y a une accélération de cette transition. Elle est aussi d'autant plus efficace que quand les vecteurs de capitaux, les fonds d'investissement, les structures d'investissement, elles ont beaucoup plus d'agilité pour décider d'investir ou ne pas investir dans tel ou tel domaine. Donc, et nous, à notre échelle, on s'oriente de plus en plus aussi vers ces acteurs-là parce qu'on y gagne beaucoup de célérité. Et là où les grandes entreprises avec lesquelles on a pu travailler jusqu'ici, on peut les faire bouger, évidemment, mais ça demande beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie, beaucoup de patience, de marathon, en fait. Les fonds d'investissement, ils décident d'aller à gauche ou à droite et c'est tout de suite. Et ça va beaucoup plus vite. Et il y a de plus une accélération évidente en ce moment et constatée dans tout ce qu'on appelle l'investissement à impact. Donc on a énormément d'acteurs dans l'investissement qui s'orientent vers l'investissement à impact. Donc ça, c'est à l'échelle, on va dire, sociétale. Et à notre échelle, à nous, on l'a mesuré, on a enclenché un changement, pour être concret, il y a à peu près 3 ans. On a eu, on va dire, un creux lié à une nouvelle activité, lié à une nouvelle offre de service, lié à une nouvelle posture aussi économique vis-à-vis de nos clients. On a redressé totalement la barre au niveau initial par rapport à notre chiffre d'affaires. Mais par contre, on peut mesurer aujourd'hui qu'on a globalement un tiers de notre chiffre d'affaires qui est totalement dans notre stratégie d'impact. On est devenu entreprise à mission, on s'est donné des objectifs. On a un tiers de notre stratégie d'impact. On a un tiers de nos missions qui sont partiellement alignées avec nos enjeux d'impact. Et on a encore un tiers de nos missions qui sont
presque as usual, on ne prend pas n'importe quoi non plus, parce qu'on est assez exigeant avec nos clients et avec les missions qu'on prend, mais on se donne des objectifs, et ce qu'il faut se dire aussi, et c'est ce que je voudrais dire à l'Assemblée ou à ceux qui se posent la question, c'est qu'il faut se donner du temps, de la persévérance et ne surtout pas agir seul. Pour moi, la clé, c'est l'écosystème, c'est agir ensemble, s'entourer. Ça va nous permettre de remonter la pente quand on a la sensation de flancher un petit peu, parce que ça arrive souvent hein, de flancher, de se dire « mais on n'y arrivera pas ». En fait, seule la détermination compte, la confiance en soi compte, mais en écosystème et en réseau relié, ça va être beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'il faut absolument commencer par s'entourer, rentrer dans des écosystèmes d'impact. Nous, on a fait le choix dès le départ de rentrer dans le mouvement Impact France, dans la communauté des entreprises à la mission, d'être actif dans tous ces écosystèmes-là. Et ça nous a donné beaucoup plus d'énergie et de capacité à accélérer. Et par effet miroir, à avoir envie de nous embarquer encore plus. Merci. Et Sylvain, quelle est la tendance? Est-ce qu'on a de plus en plus de perma-entreprises? Et par quoi commencer? Ouais, il faut rester modeste. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle que je n'ai pas expliqué, il y a intégré des objectifs d'impact. C'est-à-dire que le modèle en lui-même, avec tous ses concepts, ça peut faire un beau projet d'entreprise. OK, ça peut embarquer des salariés, ça peut donner du sens, mais ça ne va pas changer le monde. Ce qui va permettre de changer le monde, si on est très, très nombreux à l'appliquer, ce sont les objectifs d'impact. Je vous donne un exemple. Par exemple, distribuer 50% de ses résultats à la société civile, impôts compris, aux salariés. Voilà. Bon, il y a un certain nombre d'objectifs d'impact comme ça qui sont très engagés. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, des choses se sont passées. Il y a un objectif d'impact qui est de la lutte contre les fournisseurs qui jouent avec les paradis fiscaux, voire les clients. C'est intéressant parce que depuis, il y a eu cet accord mondial pour que les boîtes payent 15%, le fameux forfait. Il y a eu ces 200 personnes très riches dans le monde qui se sont dit, moi, on pense que c'est à nous de donner de l'argent. On a en ce moment en France les débats sur la création de valeur et le partage de la valeur. Voilà, il y a des choses qui se passent qui crédibilisent le modèle perma-entreprise. Donc ça, c'est sûr que ça amène de l'écoute. La deuxième chose qui se passe, c'est que, en fait, quand je vous disais en préambule qu'il me semblait que certains voulaient bouger certaines entreprises, quelle que soit leur taille, mais ne savaient pas comment, le fait d'avoir écrit le livre avec la méthodologie a répondu à quelque chose. Et donc ça nous a amené à créer une école. Parce que beaucoup nous ont dit, ouais, la méthodologie, c'est OK, mais il faut nous muscler davantage. Donc, on a créé une école. Ce n'est pas très lourd. Hein. Aujourd'hui, c'est 3 jours pour pouvoir bien se former et lancer un tel projet. Et évidemment, l'effet boule de neige commence à arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a la joie d'avoir des gros réseaux d'entreprises qui y ont adhéré. Le Centre des jeunes dirigeants, l'Association Progrès Management, la Convention des entreprises pour le climat, Bicorp, etc. Toutes ces structures-là, maintenant, sont prises avec le modèle perma-entreprise. Donc ça, c'est, j'espère, un futur effet boule de neige, ce qui nous a amené aussi à créer ce qu'on appelait le collectif de la perma-entreprise. Parce que ce qu'on veut, c'est rester hyper ouvert et c'est faire évoluer le modèle. Moi, je ne prétends pas que ce modèle, il est encore mature. Hein. voilà, pour le temps au temps, mais également, faut rester modeste, c'est très compliqué tout ça. Et donc, le modèle va évoluer avec des éléments complémentaires pour encore mieux embarquer une évolution du monde différente. Et tout ça, ça va être fait par le collectif auquel aujourd'hui adhèrent des consultants, des chercheurs, etc. Quoi. Un monde très, très ouvert. Donc, voilà ce qui est en place. Et maintenant, le chemin reste à faire pour arriver à du quantitatif. Merci. Pierre, par quoi on peut commencer en tant qu'entreprise sur tes sujets? Alors, mon premier conseil, ça serait d'aller sur Sator.fr et de regarder le cours du général Vincent Desportes sur l'art de la stratégie. Pourquoi? Parce que, alors, général Vincent Desportes, c'est l'ancien directeur de l'école de guerre. Donc, c'est le monsieur qui formait les généraux à l'art de la stratégie, qui les transforme de tacticien en stratège. La différence, c'est énorme. Hein. La tactique, c'est le court terme, c'est l'opérationnel. La stratégie, c'est gagner une bataille. La stratégie, c'est gagner une guerre. Alors, dans l'armée, on a compris un truc depuis longtemps, c'est que, en fait, vos soldats, ils ne vont pas aller se faire tuer pour rien. Quoi. On est quand même censé convaincre des gens qui vont aller potentiellement jusqu'au sacrifice ultime.
dans une période qui est la nôtre, on n'a plus trop ce sentiment patriotique un peu automatique qui fait qu'on va aller se faire tuer en première ligne pour un oui, pour un non. Donc il faut, dans l'armée, on a compris que c'est l'émotionnel qui était au centre de tout ça, et appliqué aux civils, parce que c'est ce que fait général Vincent Desportes, c'est un des rares vraiment intellectuels de la stratégie à transposer vraiment au monde de l'entreprise, c'est c'est ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire mettre chacun dans sa zone de génie où sa tête, son cœur et ses tripes sont alignés. Il y a des méthodes pour ça, c'est pas, à mon avis, c'est aussi beaucoup dans vos ouvrages, et c'est pas compliqué, c'est dans le cours Sator.fr, voilà, c'est mon entreprise, totalement partie prenante dans ça. Mais vraiment, moi, ça m'a changé mes perspectives, et c'est comme ça que je gère mon entreprise, et ça marche très bien. Et puis peut-être, j'ai un peu perdu, Là, on parle de grands changements macroéconomiques qui passent par la microéconomique. Donc, on parle de normes et de régulations. Parce que, en fait, moi, Sylvain, je fais le même constat que vous quand j'interviens en entreprise. Vous avez des COMEX qui, en fait, depuis 3 ans, se sont mangés des confs de Jean Covici, sont en train de se poser des questions, de switcher. Et puis, vous avez des actionnaires qui, eux, généralement, sont d'une génération au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas des quinquas, c'est plutôt des boomers. Et eux, culturellement, c'est compliqué. Et pourtant, c'est eux qui font les élections en France. Les élections, elles font un pouvoir très puissant qui s'appelle le rôle du président en 5e République et qui fait que c'est difficile de faire grand-chose et de faire évoluer des normes et des lois si vous n'avez pas ces manettes-là. Donc, pour moi, il n'y aura pas de grand changement sans une vraie planification écologique. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler sans que ça fasse un peu... Pardon. Sans un esprit gaulliste vert, quoi. Jérôme. Allez, en quelques mots, quel conseil ? Premier conseil, marcher dans la nature, comme le fait notre ami là-bas. Marcher dans la nature et humer, respirer, voilà. Ou dans la nature, ou en forêt, ou même la nature proche. Hein. De toute façon, on fait avec ce qu'on a, ça dépend où vous habitez. Si vous avez un petit lopin de terre, permaculture, hein, réapprendre la terre, j'ai un petit jardin, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, mettre les mains dans la terre, c'est absolument génial. Et puis pour glisser tout doucement vers le monde de l'information, qui est mon monde, hein, je vais faire moi aussi un plaidoyer pro domo, vous allez sur inter-ligueret.fr et vous tapez opérateur de recherche dans le moteur de recherche interne. Vous allez tomber sur les opérateurs de recherche sur Google et amusez-vous à faire des requêtes complexes. Des requêtes qui ne fassent plus de vous des cobayes d'une mécanique informationnelle de Google, mais que vous repreniez le volant en quelque sorte, ou le guidon, parlons plutôt vélo que voiture, repreniez le guidon de votre alimentation informationnelle. Et puis pour finir, lisez les livres de Bertrand, de Sylvain et de Pierre, éventuellement le mien, pour avoir cette vision multiple, kaléidoscopique, de ce que peut être une reconnexion entre le monde de la nature et le monde des organisations. Merci Jérôme. Alors avant qu'on rentre dans les questions-réponses, interactions avec le public, je vais vous laisser également réagir peut-être aux propos qui ont été tenus par les autres intervenants. Je vous laisse réfléchir à vos questions ou à vos remarques interconnectées. Le temps de vous signaler que vous avez également le livre aux éditions Hafnor Processus et transversalité vers un nouveau management à la sortie. Ce n'est pas mon livre, c'est notre livre, parce que nous sommes plus de 30 contributeurs chez France Processus à avoir travaillé sur les transversalités. Jean-François David, ici présent, a été une cheville ouvrière de l'ouvrage. Donc on y parle de transformation systémique de l'organisation par les processus, avec une partie sur l'information, sur la RSE, sur le management, beaucoup de contributeurs pluridisciplinaires. Alors, est-ce que vous avez des remarques ou des réactions entre vos propres prises de parole? Et puis après, on va continuer sur cette même dynamique, mais en ouvrant à la salle. Bon, un mot très rapide, parce que je viens d'avoir le micro, je ne vais pas être très long. La joie, le plaisir, le bonheur, la dynamique, l'envie, que des choses positives. Encore une fois, les messages dans le domaine du développement durable peuvent être parfois un petit peu lourds, hein, parce que les constats sont un peu négatifs.
de la même manière, dans le monde de l'information, pareil, hein, on est souvent dans l'incitation à faire des choses qui sont différentes. Non, tout ça, c'est un monde joyeux, c'est un monde agréable. Et encore une fois, le jeu sérieux, le wargame que j'ai mis en place, ça vise à mettre du ludique dans des choses sérieuses. Et je pense que c'est la voie qui est la plus pérenne dans nos discours sur nos sujets. Voilà, donc joie et dynamisme. Donc je n'ai aucune réaction complémentaire. Oui, mais tu as le droit. Tu peux faire passer le micro en sens retour et puis chacun peut se sentir libre de répondre à la question ou de diverger. Allez, petite remarque, parce qu'il y a quand même quelque chose de récurrent que je trouve très intéressant à remarquer, c'est qu'on a été tous à notre façon témoins de ce besoin de reconnexion. Alors, tu le disais, Sylvain, pour tes salariés qui le demandent. Tu le disais dans ton appel à l'expérience psychédélique, qui n'est pas forcément psychédélique, qui est l'expérience tout court, qui peut prendre des chemins non toxiques. Hein. Tu le disais, Jérôme, avec ton appel à marcher. Je pense que c'est un appel tout simplement à nouveau à être tout simplement sur Terre, à reprendre plaisir à être sur Terre, quelque chose qu'on a complètement oublié, à être soi-même et à être avec les autres et à réapprendre à faire chemin de manière très très simple sur Terre ensemble. Cela dit, et ton ouvrage le dit aussi, on va devoir résoudre cette opération complexe d'être à la fois très bien ancré les deux pieds sur Terre, soi-même, aligné avec soi-même, en pleine conscience et en pleine connaissance de ce qu'on est et de ce qu'on peut ressentir sur Terre, et en même temps, pour pouvoir faire bouger les lignes, le besoin de la compréhension et de la cartographie de la complexité. Ton ouvrage, je pense, en parle. On ne peut faire bouger les lignes que si on en comprend la structure et l'architecture. Donc, à ceux qui veulent faire bouger les lignes, eh ben, il faut se donner les moyens de cartographier la complexité, de l'embrasser, ne pas avoir peur et aller la chercher jusqu'à dans ses confins, dans ses retranchements. Hein, parce qu'on voit un certain nombre de grandes marques qui refusent la complexité, qui refusent d'aller au bout du bout du bout du chemin, là où finalement des enfants travaillent dans des plantations. C'est loin, c'est pas dans ma sphère immédiate de perception, donc je ne fais pas trop attention. Donc comment résoudre et réconcilier à la fois ce qu'on est ici et maintenant, dans une éthique intégrale, et puis une façon de reprendre la mesure de nos interdépendances. Et pour moi, la cartographie de la complexité, c'est aussi la reprise de conscience de nos interdépendances. Nous sommes tous liés. C'est le nom de ma société, Consort Intelligence, Cumsort. On est tous liés par le même sort. Jusqu'à preuve du contraire, sur cette Terre, on est tous ici, en même temps, ancrés sur la même Terre. Donc il faut qu'on apprenne à en prendre soin et à prendre soin les uns des autres. Donc c'est aussi ce que j'ai beaucoup entendu ce soir. Sylvain, un mot ? Mon rebond, c'est par rapport à ce concepteur de la permaculture qui s'appelle David Malmgren, hein, qui a créé ça dans les années 70 en Australie, c'est que au-delà des trois principes éthiques que j'ai cités, donc il y a des principes de conception, et le premier, c'est observer, et notamment les interrelations. Et en fait, derrière tous les propos, c'est ce qui tu viens en plus là de le redire, c'est ce qui vraiment émerge, hein, cette observation des écosystèmes. Tu as expliqué qu'après avoir détruit détraqué tous les écosystèmes de la Terre, on est comme maintenant en train de vouloir détraquer ce duo. Ce qui veut tout dire, hein, c'est qu'on va vraiment finir par tout faire exploser. Voilà, observer, analyser les interrelations, évidemment. Recréer les écosystèmes, tout ça, je suis assez admiratif devant cet homme qui a créé ça et appelé ça la permaculture, parce que finalement il avait tout compris de la nature. Alors il s'était beaucoup inspiré d'ailleurs des pratiques très ancestrales, parce que lui, son truc, c'était de dire années 70, on commence à parler de pénurie d'énergie et c'était le pétrole, comment on pourra nourrir toute la population sans ça? Donc, il est allé voir des pratiques qui utilisaient pratiquement qu'une énergie. Et c'est sans doute pour ça qu'il a tapé dans le mille. Donc, moi, c'est ça que je ressors. Et c'est évidemment ça qui m'a motivé à essayer de retranscrire ça pour le monde de l'entreprise. Hein. Mais vraiment, en première chose, observer les interrelations. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle ? Jean-François. Merci. C'est pas une question, c'est un rebond que j'aimerais entendre. C'est-à-dire que tous ces sujets que vous abordez autour de la nature, l'avenir, en fait, caché derrière, il y a toujours création d'une espèce d'idéologie ou de quelquefois même qui peut devenir sectaire dans certains cas. C'est-à-dire qu'il faut être dans un camp par l'autre. Philosophiquement,
les individus, ils aiment, dès qu'il y a une idéologie, ils aiment la transgresser, faire des écarts par rapport à l'idéologie en question. Il y a toujours un risque dans ces concepts et ces implémentations que, quelque part, ça développe une idéologie qui, auquel, par nature, tout le monde aura envie à un certain moment de s'opposer par le simple fait que ça crée une continuité, quelque chose qui, par nature, n'est pas la totalité de la vie. Donc, je voudrais avoir vos rebonds sur ce sujet-là, particulièrement vrai dans ce qui concerne tous ces aspects environnementaux, etc., sur lesquels il y a une idéologie qui se développe. Qui souhaite réagir, puis après on va repasser le micro. Réagir, ouais, c'est intéressant de se dire que on est de toute façon dans un modèle. On baigne dans une nasse globale qui est pétrie de. Comment dire. L'économie dans laquelle on baigne est dictée par quelques boussoles, la croissance, le PIB. Et on sait que c'est. Ce système et cette boussole qui nous mène dans le mur, puisqu'en fait, plus on va croître, plus on va produire et plus on va détruire la planète, plus on va extraire. Donc, toute initiative qui va nous permettre de nous extraire de cette nasse, comme vous le disiez, d'être en forme de résistance, en fait, est vertueuse aujourd'hui parce qu'on a besoin de penser des contre-modèles, des alternatives, mais qui soient réalistes et possibles de mettre en œuvre. Je pense aussi à l'ouvrage très intéressant d'Ernesto Pinocchi, qui est un anthropologue qui s'est entretenu avec Philippe Descola, un autre grand anthropologue. Il invite cet anthropologue Philippe Descola à faire un terrain d'anthropologie, non plus chez une tribu d'Amérique du Sud ou en Afrique, mais à Notre-Dame-des-Landes, en disant le nouveau terrain d'expérimentation des formes alternatives de l'économie, elle se joue à Notre-Dame-des-Landes. On a un extrême inverse par rapport à notre société actuelle. Et entre cet extrême qui repense le monde dans une forme de je me fais approprier par la nature, je ne me l'approprie pas, c'est ce que disent les gens de Notre-Dame-des-Landes, et puis le modèle économique dominant, il propose d'envisager et d'expérimenter toute la gamme des possibles. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, mais expérimentons des schémas possibles. Tu en proposes un qui est très efficient et qui donne envie de s'engager dedans. Il y en a un certain nombre qui existent déjà. Il y en a d'autres qui sont en genèse. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de fracturer le modèle économique dominant par une foule de tentatives d'expériences de laboratoire et qui, demain, seront de nouveaux modèles plutôt vertueux, mais j'espère dominants. Alors dans les lieux d'expérimentation, on a aussi les tiers-lieux dont on parle de plus en plus. Même s'il y a un effet un peu de mode autour des tiers-lieux, ça reste quand même des projets qui, pour certains, ont plusieurs dizaines d'années. On a publié sur legrandrebond.fr un bilan de la tournée des tiers-lieux que l'on a fait pendant une année avec un ensemble d'associations pour essayer de mettre dans une quinzaine de pages ce qu'on a pu ressentir en allant voir une douzaine de lieux, tous très différents, mais avec des dénominateurs communs. Et là, on a vraiment une terre d'exploration, je pense, intéressante aussi à aller voir. Il y avait une réaction, oui ? Merci. Je voudrais poser une question sur le droit. Est-ce que le droit nous éloigne de la nature, participe à cette déconnexion qu'on a tous regrettée ? Ou est-ce qu'on peut faire rentrer la nature dans le droit ? Il y a des gens qui voudraient qu'on donne des statuts de personnes juridiques. Et puis, ça existe déjà, il y a des expériences. Et est-ce que l'entreprise, dans la mesure où on réplique une notion de sujet, de personne morale en droit ? Par une entreprise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne nous déconnecte pas un peu de la nature d'une certaine manière ? Je ne sais pas, par rapport à une logique d'écosystème où il y a des personnes qui interagissent Je ne sais pas, la question est très vague. Je ne sais pas qui veut répondre, mais sur Arte, en ce moment, il y a une série documentaire 4 fois 52 minutes, série à laquelle Gaël Giraud a participé, qui s'appelle Propriété, qui traite de ces sujets en profondeur. Est-ce que quelqu'un veut... Un mini rebond. Enfin, pour écrire le droit, il faut un langage. Déjà, le langage nous déconnecte de la nature, puisqu'il interpose, ce que je disais tout à l'heure, entre la nature et celui qui en fait l'expérience, des mots et des choses. Donc, c'est ce que je dis dans mon livre. Hein, c'est un des éléments insidieux de notre déconnexion, c'est le langage qui nous permet de partager une perception et une représentation, mais qui enferme la nature dans des boîtes. Je dis qu'un arbre existe. Qui a dit qu'un arbre existait ? Je dis que le vent existe, je dis que les mots et les choses sont liés. Donc je pense que dans ta question, est-ce que le droit nous déconnecte de la nature ?
encore plus profond, dans les couches plus profondes, via le langage, qui nous a de toute façon déconnectés. Attends, je vais faire un petit oui, oui, oui. En fait, pourquoi on a inventé le droit ? Pour faire en sorte que les êtres humains sachent fonctionner entre eux. Voire pour gérer des non-respects d'un certain nombre de choses. Hein ? Donc, malheureusement, on peut se dire que cette planète qui ne sera fondamentalement jamais respectée, enfin, à mon avis, d'autant plus qu'on veut nous emmener dans le monde du virtuel, hein, et je pense que dans quelques dizaines d'années, certaines personnes ne seront même plus ce qu'est un arbre, peut-être, enfin, certains animaux, hein, c'est là-dessus qu'on veut nous emmener. Donc, je me dis, il est sans doute essentiel, malgré tout, si on veut la défendre, puisque, justement, ce n'est pas géré naturellement, comme pour les êtres humains, il va falloir passer par là. Alors, c'est pas par rapport à ce que tu as évoqué, voilà, c'est peut-être pas une bonne chose, mais moi, je ne vois pas comment on va faire autrement. Hein. Donc, la planète, personne morale, enfin, etc., à voir tout ça. Mais vous savez, il m'est arrivé un petit truc il y a 5 ans. Au collab, je dis, c'était au début d'année, je dis, voilà les résultats de l'entreprise. Et voilà ce qu'on va donner aux impôts. Voilà ce qu'on va donner à notre fondation. Voilà ce qu'on va donner à la société civile en complément. Voilà ce que vous allez avoir, vous, en participation. Et voilà ce qu'on va donner à la planète. Je l'ai considéré comme personne morale. Et franchement, on n'est pas souvent applaudi dans l'entreprise. Hein, faut pas se leurrer. Les gens applaudissent. Ça a marqué l'esprit. Donc, je crois qu'il faudra faire quelque chose autour de ça. C'est une question que je trouve hyper compliquée. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en pointe dans tout ce qui relève de combat contre les écocides, donc des amis avocats qui vraiment sont des avocats de la nature, au sens juridique et strict du terme. Et en même temps, je comprends un peu Bertrand, parce que, comment dire, moi, le piège pour moi, ça serait de rentrer dans un système à l'américaine où on a une surinflation des relations juridiques entre les individus, parce que on met du juridique sur tout, y compris la nature. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, 20% du PIB américain, c'est du droit, c'est des avocats qui se font des gens qui se font des procès dans tous les sens parce que le gobelet est trop chaud, parce que sais-je. Ça pourrit aussi un peu les relations humaines. Il faudrait pas que ça pourrisse non plus des relations extra-humaine, dans le sens où, idéalement, on n'en aurait pas besoin. Après, Sylvain a raison, c'est-à-dire que ça peut être une étape de passage dans un monde tel qu'il est, hein, parce qu'il ne faut pas non plus être des idéalistes, mais il faut être ancré, quoi. Et là-dessus, d'ailleurs, parlant d'ancrage, vous avez vu, il y a quelques jours, l'ONU annonçait que 30% des superficies océanique, de la haute mer, pourra être protégée parce qu'on a enfin obtenu ce truc-là, donc zone maritime protégée. Ok, c'est très bien, mais des mots sans ligne budgétaire et sans moyens de contrôle, ça sert à rien. C'est pas le fait de dire que, en fait, si vous mettez en avant ces zones naturelles protégées, si vous n'avez pas de casque bleu marine, c'est-à-dire concrètement des drones et des frégates aux couleurs de l'ONU qui sont là pour patrouiller et pour typiquement empêcher des navires de pêche hauteurière chinoise de venir dévaster au fond, ça ne sert pas à grand-chose. Alors c'est symbolique, c'est bien, on va dans le bon sens. Peut-être que plus tard on y mettra les moyens. Bon, vu l'état du multilatéralisme aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre espoir, hein, parce qu'on peut aussi le raviver. Mais du droit sans moyens de coercition, ça ne sert pas à grand-chose. On a fait preuve d'une forte cohésion ce soir, et je vais rentrer un petit peu en opposition avec mon ami Bertrand. Tu as dit qu'on a mis des mots sur les choses, et ce qui a été l'instrument de notre déconnexion. Je ne suis pas d'accord. La lignée humaine a eu deux grands mouvements d'évolution. Il y a 1 million d'années, il y a environ 100 000 ans, avec l'apparition d'un proto-langage il y a 1 million d'années, avec quelques mots, hein, « moi tuer lapin, toi cueillir fleurs », voilà. Et il y a environ 100 000 ans, avec un langage articulé et récursif, qui nous a permis de faire des abstractions. Noah Yuval Harari, dans Sapiens, en parle très très bien. Donc, nous sommes l'issue, en fait, de cette révolution cognitive liée au langage.
Et je pense que notre problème, c'est que du coup, on a développé des trucs entre nous, c'est-à-dire entre humains, sachant parler. Et du coup, on s'est coupé de la capacité de discuter avec son environnement. C'est ça qui est gênant. Ce n'est pas le fait que nous parlions, c'est le fait que nous ne sachions plus parler avec les animaux. Alors évidemment, on ne sait pas parler avec un animal au sens propre, mais vivre avec les bêtes ou vivre dans la nature nous permet de développer un langage, de comprendre quelque part. Et je rêve, et c'est une vision totalement utopique, hein, mais je rêve du moment où, par des biais divers et variés, nous pourrions arriver à communiquer avec le monde animal. Nous sommes des humains, des animaux, mais avec les autres espèces animales, voire les espèces végétales. Donc c'est un rêve un petit peu fou, hein. Mais du jour où nous pourrions faire ceci, parler avec un orang-outan par exemple, ou parler avec un chat, je pense que cette reconnexion se ferait parce que cette capacité à partager les points de vue, partager les objectifs et créer une vision commune nous rapprocherait à nouveau. Donc ce n'est pas la communication qui est le blocage, c'est le fait qu'on ne communique plus avec une partie de l'humanité et que nous ne communiquions qu'entre humains. C'est ça le problème, à mes yeux, en tout cas. Heureusement, on a quand même des humains de notre époque qui arrivent à communiquer avec les animaux. Si on prend le cas emblématique de Jane Goodall, qui, en vivant vraiment au sein des peuples des grands singes, elle a créé véritablement un lien très intime avec des découvertes scientifiques à la clé que personne n'avait été en mesure de déceler, comme le fait que les grands singes soient capables d'enseigner quelque chose, d'inventer des outils et de transférer ce savoir à leurs congénères de génération en génération. C'est elle qui l'a découvert malgré le fait que, contrairement à notre table ronde qui n'est pas du tout paritaire, là, à l'époque, justement, sa découverte a beaucoup dérangé le monde scientifique masculin. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Donc, j'ai noté la question, parce qu'il y a beaucoup de tiroirs dedans et je voudrais éviter d'en ouvrir trop. La question s'adresse à tout le monde, mais en particulier à M. Brozard, parce que je travaille dans à peu près le même secteur d'activité. Quand on parle de permaculture et d'entreprise, ça me fait un petit peu penser au rapport qu'on a en se disant qu'il faut qu'on arrête les grosses fermes usines et qu'on recrée de la valeur avec plus de petits fermiers, avec plus de petites exploitations, comme on pourrait dire, d'aller plutôt dans des petites librairies qui vont créer plus d'emplois. Éviter d'aller chez les grands géants que je ne citerai pas, qui vendent beaucoup de livres en ce moment. Donc ma question, elle est, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous aimeriez former des entreprises où il y a une personne, 10 personnes, 10 000 personnes. Donc moi, ma question, elle est, où est-ce que s'arrête la croissance? Quel est votre, vous en avez parlé aussi, quel est votre lien à la croissance et des entreprises vertueuses comme les vôtres? Il faut qu'elles montrent qu'elle fonctionne. La croissance, c'est le moyen extérieur de montrer que ça fonctionne et que ça répond à un besoin. Où est-ce qu'on arrête cette croissance et à quel moment on se dit le taf est fait, peut-être on s'arrête là? Merci. Qui souhaite réagir? Alors, je vais répondre avec humilité parce que je ne suis pas économiste. Hein. Donc, donc croissance, décroissance. Ce n'est pas de la psychorigidité, mais ces fameux trois principes éthiques qui sont la base de la perma-entreprise, donc je rappelle, prendre soin des êtres humains, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement la richesse. J'ai appelé ça les principes éthiques qui justifient une croissance juste. C'est-à-dire que si notre produit, nos services sont alignés sur ces trois principes éthiques, il faut la développer. Si, au contraire, vos produits ou services ne sont pas alignés, ne serait-ce que sur un de ces principes éthiques, ou ne savent pas se fixer des limites, etc., il faut être en décroissance. Hein ? Ramener à notre quotidien, si on veut continuer de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures dans les villes, etc., moins de pollution, il faut de la croissance sur un certain nombre de choses. Mais il faut absolument de décroissance sur d'autres choses. Donc, moi, j'ai appelé ça la croissance juste. Et donc... ramener à l'entreprise, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pour ça que je vous disais, ça met en question plein de choses, mais ça enrichit beaucoup. Hein. C'est dire, mais tiens, mes produits, mes services, est-ce que c'est aligné avec une croissance juste?
Et là, ben non, pas tout à fait. Donc, ça, en ce qui nous concerne, on est donc on développe des logiciels. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, développer des logiciels pour l'entreprise, voilà, à énergie fossile et qui continue de la promouvoir, non, c'est pas aligné avec les principes éthiques. Donc, on doit s'en affranchir. Mais ça peut être aussi un logiciel même qu'on peut nous demander de faire. Hein, qui ne respectent pas tout à fait les données privées pour certains pays. On l'a vécu. Ce n'est pas de la croissance juste. Hein. Donc, voilà, ma réponse, c'est ça. C'est que, un, il faut être aligné sur ces trois principes éthiques et la croissance n'est pas une fin en soi. Ça, c'est très, très clair. Hein. Moi, j'ai toujours dans l'entreprise, c'est le résultat qui est une fin en soi parce que ça donne les moyens de redistribuer de la richesse. Par contre, la croissance, non. C'est pour ça que ce troisième principe éthique, qui est se fixer des limites, est si important et un peu nouveau, parce qu'on va dire, ouais, l'humain, on en parle, la planète, on en parle. Mais là, se fixer des limites, ah tiens, et pourquoi, et sur quoi, et comment, ça, ça fait vite émerger beaucoup d'idées. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre le micro dans la salle ? Je peux rebondir sur la question de la croissance juste avant, et après je passe le micro avec grand plaisir. Sur la question de la croissance, j'aime bien cette idée que ce ne soit pas une fin en soi. Pour nous, on la considère comme un moyen d'avoir plus d'impact. Si on veut faire croître notre entreprise aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que plus elle va grandir, plus elle va avoir un impact positif. Donc, je pense que c'est aussi ça qui nous motive, et qu'on sait que si on ne croit pas, on va disparaître. Donc c'est plutôt une vocation de grandir pour faire croître son impact. Après, il y a énormément aussi d'alternatives qui sont proposées à la croissance, enfin, énormément, il n'y en a pas tant que ça. Il y a au moins quelque chose que je voudrais retenir, c'est la proposition de remplacer les boussoles de la croissance et du PIB par des questions de santé. Et si la santé guidait le monde, nous disait Éloi Laurent. Félix Guattari, qui déjà dans les années 80, nous disait que finalement, il fallait penser la santé à trois échelles, à l'échelle individuelle, psychique, personnelle, et d'être capable d'être en bonne santé corporelle et psychique, qu'il y avait aussi une santé à l'échelle sociale, sociétale, que c'est cette deuxième échelle qui importait, et qu'une troisième échelle dont on a tous beaucoup parlé ce soir aussi, c'est l'échelle de notre écosystème, de notre planète, et que si l'une des trois ne fonctionne pas, les autres ne peuvent pas fonctionner. Des individus sains dans un corps sain sur une planète qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Un tissu social dégradé va avoir un impact sur les individus et va avoir aussi un impact sur l'environnement. Donc en fait, il faut qu'on soit capable de travailler à ces trois échelles qui sont interconnectées. Et je pense que notre vocation à tous devrait être orientée vers cette optique-là. Et après, ce que je trouve très intéressant ce soir, et je te passe le micro après, c'est de voir qu'on est sur une table ronde quelque part teintée d'intelligence économique et qu'on a aussi basculé dans une forme d'intelligence écologique, où on s'est tous embarqués sur des sujets qui touchent à cette façon de prendre soin de notre terre, cet oikos, hein, quoi, toi, je te sais sensible à l'étymologie, Jérôme, cet oikos nomos qui était notre économie, on bascule dans un oikos logos qui est notre écologie, cette capacité à être attentif à la complexité du monde dans lequel on vit. Et voilà ce que je voulais ajouter par rapport à cette question de la croissance. On va donc passer le micro. Étant donné qu'il est 20h30, on va arriver à la fin. Donc on reprendra une dernière question ou remarque, si vous le souhaitez, avant de conclure. Bon, c'est une question très simple. Celle d'avant était compliquée et celle est plus simple. Performance et soins sont-ils conciliables ? Voilà ma question. Qui est un peu le thème d'ailleurs de la table ronde. Hein. Bah, si l'indicateur de la performance, c'est le degré de soins, oui, enfin c'est... Voilà, je pense que... C'est réglé. Voilà, c'est QFD. Ça coûte cher. comment dire ? Bah, non, oui, parce que tout dépend de comment est-ce qu'on mesure la performance. C'est sûr que si c'est uniquement une entrée PIB, et encore même, ça pourrait se discuter, parce que le PIB, on peut le calculer de plusieurs façons. C'est une quantité fois un prix de vente. Et, du coup, enfin bref, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais effectivement, bon, la question des indicateurs... Et en fait, je voulais juste rebondir sur cette question de croissance et de non-croissance. Bon, moi, je vois du petit lait. En fait, on dit tous la même chose, peut-être avec des mots différents, mais c'est aussi intéressant d'entendre ça. Mais comment dire je pense que l'être humain, d'ailleurs, comme tout être naturel, est condamné à la croissance. Tout dépend de ce qu'on entend par croissance. C'est-à-dire que nous, on entend croissance matérielle, sur accumulation, mais...
la recherche de tout un chacun dans son parcours de vie et dans son parcours d'âme, c'est bien de croître. C'est bien d'accroître, par exemple, son degré de relation et son influx d'amour, quoi. Et une autre définition de la transition écologique, pour moi, c'est remplacer des biens matériels par des liens. Parce que, in fine, ce qu'on recherche tous, c'est l'amour. Le hack du capitalisme, bon, évidemment, il faut un substrat matériel pour vivre et s'épanouir. Évidemment. Mais le hack du capitalisme, c'était de croire que vous allez acheter des liens, parce que vous allez acheter du statut social avec de la consommation d'apparat, etc. Et que c'est ça qui va vous ouvrir les portes de l'amour. C'est ça qui va sécuriser votre relation de couple, qui va sécuriser... voilà, vous allez offrir des cadeaux à vos enfants, etc. etc. Quelle est la part de la consommation d'apparat, les biens de statut sociaux dont la pollution mondiale, elle est énorme. Si on avait besoin juste de ce qu'il faut pour bien vivre matériellement, mais pas frimer, en fait, pas essayer de dégager à tout bout de champ du statut social par sa Rolex, sa berline ou son iPhone 36, je pense que voilà, flux de matière, flux de métaux, flux d'énergie, un peu moindre, quoi. Donc voilà, et en fait... Si le but in fine c'est de susciter de l'amour et de faire croître, voilà, bon, bah, autant y aller directement. Woodstock, tout ça. Non, mais voilà. Mais c'est le rôle fondamental de la politique, quelque part. Est-ce une dernière question ou remarque? Non? Du coup, comment? Non, hors caméra. On ne peut rien, on assume tout. Sinon, on ne fait pas avancer les mots. Attendez, on va vous passer juste le micro. Vous n'êtes pas hors caméra ni hors micro, attention. D'accord. Ni hors caméra ni hors micro. Moi, j'ai juste envie de partager un sentiment. Parce que, en fait, j'avoue que je ne me sens pas très bien à vous entendre, même si je vous respecte énormément, tous les uns et les autres, par rapport à tout ce que vous faites. Et en fait, je trouve, et excusez-moi d'avance, que cette conversation a été assez édulcorée d'une certaine façon. Alors, je dis bien que c'est mon ressenti. Mais mon malaise, il a commencé surtout quand je vous ai entendu parler d'idéologie, monsieur, surtout principalement d'idéologie, alors que pour moi, le capitalisme, c'est une idéologie. Donc, du coup, si on commençait peut-être à inverser le processus de réflexion et commencer à voir l'idéologie là où elle est, peut-être déjà, ou si elle est très ancrée, mais dont on ne parle pas, je trouve que ça nous aiderait beaucoup. Je n'ai pas du tout l'intention de vous tirer dessus, hein, ce n'est pas du tout l'idée, mais de me dire que, en fait, moi, je suis émue, excusez-moi. En fait, moi, je me dis que je ne suis pas du tout dans la création d'une entreprise. Je suis juste une petite formatrice qui s'intéresse énormément au sujet depuis très très longtemps. Mais je me dis que si on en est encore là aujourd'hui, vu l'état de la société, de notre planète et de tout ce qui s'y passe au niveau de la destruction du vivant, je me dis qu'on est foutu, quoi. Attends, on va passer le micro. Merci en tout cas pour... Je suis désolée. Non, mais merci pour votre sincérité. En fait, la table ronde ne fait que commencer. Oui, d'accord. Donc, en fait, j'ai eu peur. C'est pas qu'on disait des bêtises. C'est que vous êtes simplement atterré par l'état de la situation. C'est bien ça, j'ai bien compris. Hein. Parce que je trouve que c'est léger, ces conversations. Je sais pas. Pas tant. On a quand même mis les doigts sur les points sur les i. Enfin, on a essayé. En tout cas, je vais te laisser, Michael, clore cette table ronde. Juste, peut-être qu'il y a une réaction ou pas. Hein. Après, vous pouvez renvoyer la balle. Non, sinon, on peut finir par un mot chacun. C'est une manière de finir. Donc, un mot qui peut aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Mon mot, personnellement, ça serait le mot espoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a eu ici une palette d'actions possibles. C'était le sens de cette soirée, quand même. C'est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en même temps, soigner le climat et soigner nos organisations. Moi, j'espère, je pense qu'on peut se retrousser les manches. Et il y a plein de choses à faire. Nous avons eu ici 4 témoignages concordants. Bon, si c'était un mot, et je suis la personne la plus laïque qui soit, mais c'est la foi. Maman, il faut avoir la foi. Si c'est aussi simple que ça, après, bon, chacun ses ressorts intimes, mais sans la foi, difficile de mener un combat aussi complexe, avec autant d'abnégation et de sacrifices, parce que je pense qu'on est aussi à notre image des sortes de moines soldats.
mais qui ne devront pas nous oublier, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on vit dans un marathon, alors informationnel, mais un marathon émotionnel aussi. Et l'éco-anxiété et tout ça, bon, bah, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans. Après, on en ressort aussi, c'est une courbe du deuil, etc. Et bon, bah, pour ça, rien de mieux que les liens, les gens et la nature aussi. Tu parlais de biophilie, ça, c'est passionnant, mais quand vous baladez dans la forêt, je termine là-dessus, et que vous respirez un air qui est chargé en ce qu'on appelle les phytoncides, hein, qui sont des petites terpènes qu'émettent les arbres, eh bien, bah, d'une part, ça booste votre système immunitaire, et ce, pendant quelques semaines. Et puis, quand vous mettez les mains dans la terre, vous incorporez à votre microbiote des bactéries, des macrobactéries BK, qui vont aussi provoquer un relâchement de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, pour ça, quand vous mettez les mains dans la terre, généralement, ça va, quoi. Moi, j'habite en forêt, alors je voulais dire. Un mot, c'est ça? Un mot sur lequel on développe en forme de conclusion. Non, je dirais que derrière tout ça, je suis sûr qu'on est passé par les mêmes chemins. En tout cas, pour moi, c'est de s'interroger sur sa relation à l'argent et de s'interroger sur, finalement, quelle est ma plus grande richesse. Non. Voilà. En tout cas, je trouve que quand on est chef d'entreprise, c'est fondamental de faire ça et malheureusement, ça se fait peu. Hein. Mais voilà, moi, si j'ai une idéologie, c'est en fait de tout faire pour améliorer les conditions d'existence des êtres humains. C'est ça, mon idéologie. Et si j'ai quelque chose sur lequel je vais m'appuyer, c'est l'éthique. C'est ni une morale, c'est ni des règles sectaires, c'est l'éthique. Parce que l'éthique, chacun fait son chemin par rapport à des principes éthiques. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, pour aider à ce que, sans prétention, hein, mais est-ce que chacun fasse son chemin, ben, je pense que la plus grande richesse, c'est transmettre. Voilà. Je ne savais pas. Alors, évidemment qu'on a tous, à un moment donné, partagé votre constat d'une réalité brutale qu'il faut affronter. Alors, si on a eu des propos édulcorés, nos combats au quotidien le sont moins, réellement. Et c'est parce qu'aussi, on a décidé d'affronter cette réalité qu'on a choisi ces postures toutes différentes et complémentaires aujourd'hui, et qu'on a pris ce chemin-là, qu'on sait qu'on n'a pas le choix que de s'engager, en fait. C'est une forme d'engagement qu'on a tous développé de manière individuelle et collective. Et donc, voilà, la seule façon de réagir à une situation aussi délétère, c'est de s'engager à son échelle individuelle et d'engager avec soi tous ceux qu'on peut engager, ce que vous faites tous à votre échelle ici aussi. La force du collectif, je le rappelle encore à nouveau. Voilà. Et puis, un petit mot de la fin pour ne pas rester sur une ambiguïté par rapport aux propos sur le langage tout à l'heure. Ah oui. Jérôme, je ne voudrais pas en rester là. C'est vrai que je partage exactement ton point de vue de dire, c'était mes propos, de dire que ce qui nous a déconnectés, c'est le langage humain. Mais je rêve d'une humanité, je l'ai dit dans mon livre, une humanité chamane, une humanité qui soit capable de renouer toute forme de communication et de redevenir consciente de la relation qu'elle peut développer avec tous les éléments, vivants comme non vivants. Tu parlais tout à l'heure, Pierre, de la forme de communication qu'on développe biochimique. On n'en est pas conscient. Elle est là pourtant. Cette forme de communication implicite existe et nous fait du bien. Faisons-nous du bien à communiquer avec les éléments de la Terre et tout ce qui la constitue. Et voilà, moi j'ai trouvé mon ancrage comme ça, et ma force et mon énergie. Donc c'est comme ça que je me ressource. Parce qu'on a besoin d'énergie pour mener les combats qu'on mène. Il faut qu'on trouve une source d'énergie quelque part. Moi je la trouve là. Merci pour la dernière intervention. Ce que je trouve, ça a donné une plus grande profondeur encore à ce dernier tour de table qu'il n'aurait été sinon. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention, votre participation, votre présence. Et puis, juste un mot qui est la systémie, pour rebondir hein, sur ce que vous avez dit. Quand on regarde des travaux de Peter Senge pour le milieu économique, ou quand on regarde dans le milieu biologique des travaux comme Damasio, la lueur d'espoir pour moi, la plus importante, c'est que la complexité systémique fait que les solutions peuvent nous dépasser individuellement. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une bonne volonté, une bonne intention qui commence à s'ancrer en chacun d'entre nous,
au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'homme ni de femme providentielle, qui aura une solution magique et donc qui peut donner peut-être une image insuffisante à une table ronde, malgré tout, tout ce que l'on en, tout ce qu'on est à vouloir avancer dans la bonne direction, ça peut provoquer un effet boule de neige, des boucles de rétroaction, un phénomène finalement très complexe qui peut-être amènera des solutions qu'individuellement on serait incapable d'exprimer, d'imaginer, de conceptualiser, pas même le fondateur de la permaculture qui pourtant était très très loin dans la vision complexe. Donc personnellement, la lueur d'espoir, elle est là. Elle est dans les systèmes complexes qui peut-être vont nous extirper de finalement cette dégradation effectivement qui parfois peut créer une forme d'inquiétude immédiate. Donc continuons d'avancer chacun dans nos chemins, dans la forêt ou dans nos entreprises. Et déjà, on aura fait finalement notre part, comme on dit très souvent, en la matière. Merci. Merci, Michael. Merci à toi.